L'Ouganda est le pays au plus fort taux de grossesse d'adolescentes au monde. Le manque d'accès à l'éducation sexuelle en est la cause majeure. Mais la solution semble se mettre en place grâce à un système de mobilité. Pour parvenir jusqu'aux populations pauvres des bidonvilles de Kampala, la capitale ougandaise, l'association Mary Stops International a trouvé comme moyen de déplacement les fameux tuk-tuk, des véhicules de transport en commun de petite taille capables de se faufiler dans les ruelles étroites des bidonvilles. Objectif, sensibiliser. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez pénétrer là où vivent vraiment les gens. L'initiative a son importance en Ouganda, pays dans lequel l'avortement est illégal. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Environ 56% de la population ougandaise ont moins de 18 ans. Malheureusement, 11% seulement ont accès aux informations relatives à l'éducation sexuelle.